Les séparatistes et l'armée font toujours parler les armes en Ukraine. Des coups de feu et des explosions ont été entendus près de Sloviansk, non loin de la frontière entre la région de Donetsk et celle de Kharkiv. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. À une semaine de l'élection présidentielle, les autorités de Kiev tentent ces derniers jours une nouvelle approche pour résoudre la crise. Une table ronde placée sous l'égide de l'OSCE a été organisée ce samedi à Kharkiv, réunissant les principaux ministres du gouvernement, des parlementaires, des dignitaires religieux, mais pas de séparatistes pro-russes. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a accusé le gouvernement ukrainien d'utiliser ces réunions pour masquer les opérations militaires qui continuent dans l'est du pays.